obéir, chef. Point d'ordre à medio contre. Service of ordonnance. Chef. Je suis votre serveux. Scala formata. Parate. Si, comprendo. Audite. Cavalarios parats. Bene audite. Parates, servientes. Obeio. Mais non. Scala formata. Si. Audite. Attention. Audite, servientes. Quitte. Alonzi. Veniez, servientes. Parat. Bene, bene. Sagita, Sagita in arco. Arpierre in avant.
Cavalario, voilà, à la gueule. Procédez. Enfin, on va réussir. Voilà. On a réussi. Le donjon tomba aux mains de l'armée normande et York fut conquise. La rébellion du Nord était terminée et Guillaume le Conquérant devint le roi d'Angleterre incontesté. Mince. Voilà, impeccable. On continue. Guillaume le Conquérant avait repris York aux rebelles. Il voulut alors leur donner une leçon pour l'avoir défié. Il se lança dans une violente campagne destructrice afin d'anéantir toute résistance. La dévastation du nord de l'Angleterre. Villages et récoltes furent détruits. On raconte que 100 000 personnes périrent. Implacable, Guillaume le Conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir. Mais cela n'allait pas durer. Ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants. Lorsque Guillaume le Conquérant mourut en 1087, son fils préféré lui succéda. C'était le roi Guillaume II, dit Guillaume le Roux. Mais après 13 ans de règne, le désastre frappa. Lors d'une partie de chasse, il trouva la mort. Le plus jeune frère de Guillaume prit sa place et devint le roi Henri Ier. Mais il y eut un problème. À l'époque, le frère aîné d'Henri, Robert, le duc de Normandie, était parti en croisade. À son retour, il découvrit à son grand dam qu'Henri s'était emparé du trône. Depuis la Normandie, Robert tenta d'envahir l'Angleterre pour récupérer la couronne de son frère. Mais il échoua et rentra chez lui. Henri frappa à son tour pour se venger. À l'inverse de 1066, il traversa la Manche et envahit la Normandie afin de déstabiliser le règne de son frère Robert. Sa première cible était Bayeux. Cette ville riche et somptueuse était l'un des joyaux de la Normandie. Henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville. Bayeux était sur le point de subir le courroux de l'armée anglaise. Maman, on est revenu en France. Le roi Henri Ier se rendit à Bayeux avec la totalité de son armée, bien résolu à s'emparer ce qui s'estimait lui appartenir. On va juste tout casser à Bayeux. Dans la lutte fraternelle pour le contrôle de la Normandie, le roi Henri Ier décida de faire de Bayeux, une ville encore fidèle à son frère le duc Robert,
un exemple. Les archers d'Henri prirent position sur les hauteurs de la ville, où les patrouilles de cavalerie de Robert les attaquèrent immédiatement. Une fois leur palis déployé, les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie. Ils battirent la première patrouille. Objectif détruire Bayeux. Alors qu'Henri s'apprêtait à incendier Bayeux, d'autres renforts se joignirent à son armée. Les Anglais se rapprochèrent de Bayeux et comprirent que ces imposants murs de pierre ne céderaient pas face à une simple armée. Henri aurait besoin d'équipements de siège et d'un endroit défendable pour le construire. Partez-y, Henda!
Putain, ça a pas marché. Je fais n'importe quoi. Bon, on va rejouer la mission, c'est pas grave. Oui, c'est Bayeux, oui. Dans la lutte fraternelle pour le contrôle de la Normandie, le roi Henri Ier est en train de tout détruire. De Bayeux, une ville encore fidèle à son frère. On va tout casser à Bayeux. Un exemple. On va tuer tout le monde. Les archers d'Henri prirent position sur la hauteur de la ville, où les patrouilles de cavalerie de Robert les attaquèrent immédiatement. Une fois leur palis déployé, les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie. Ils battirent la première patrouille. Là, je recommence, je me suis loupé. Parce que c'était méchant. À
Alors qu'Henri s'apprêtait à incendier Bayeux, d'autres renforts se joignirent à son armée. Les Anglais se rapprochèrent de Bayeux et comprirent que ces imposants murs de pierre ne céderaient pas face à une simple armée. Henri aurait besoin d'équipements de siège et d'un endroit défendable pour le construire. Tout cassé là. Tranquille.
Voilà, impeccable. Pour soutenir l'effort de siège, Henri fit appel au service d'un forgeron. Yaru to work. Each a worker. Yes, sir. West to Hala. Yes, Delfende. I'm your worker. Each will pay us Delfende. I'm your worker. That shoe lay bay out quat surface, eh? Each timber. What's the? Yes, sir. West to Hala. Each a worker. Yes, sir. West to Hala. That shoe lay on your worker. Okay, on your celly. Fair adon. Fair you work. Avec un forgeron sur place, l'infanterie d'Henri serait bientôt prête à construire l'équipement de siège. Voilà, ça c'est bon. Enfin, c'est bon. Enfin, on a... Ok, ça c'est fait. L'infanterie d'Henri pouvait maintenant construire des béliers, des armes de siège conçues pour détruire les murs des forteresses. Vous êtes tout seul. Strail flambeau, flambeau, arrod. This strele fuse. The timbrin shall bail, bail death may. Strel boren yarrow. The timbrin shall bail. Okay, on va faire trois billets. Donc on construit un écurie au cas où. Ah mince, j'en ai déjà une. Avec la puissance de ses béliers, l'armée anglaise pouvait démolir les murs imposants de Bayeux. Ram Ringas. Miedu Seras Yaru. Donde Pate. Beala, Miedu Seras Parende. Und
the Fonda, hell the shop behind us! Wendende! Hey, Alla, Vienu Seras Ferende! Vienu Seras Wendende! Vienu Seras Wendende! Yes, sir? Hey, Alla, Vienu Seras Ferende! Hey, Alla, Vienu Seras Ferende! Les murs de Bayeux avaient cédé, et les hommes d'Henri prirent la ville d'assaut. La garnison de Robert tenta une dernière fois de défendre Bayeux, mais Henri, impitoyable, écrasa ses hommes et réduisit leur ville en cendres.
Aeoredas Yerwe. Yes, sir. Beodeth Me. On est en train de préparer une nouvelle armée. Tranquillement. Non, voilà. On va tout arrêter en fait. C'est bon, mon armée a continué à se constituer là. Bon, une bonne armée là. Mais de temps en temps, j'attaque avec le roi pour me débarrasser petit à petit. Tant que l'armée se fasse. Bon allez, on va arrêter là les gens. Tranquillement. On reprendra ça demain. Pour l'instant ça se passe bien. Hop, on va sauvegarder. On reprendra ça demain à 15h30. Tranquillement. Hop. Donc pour ceux qui ont vu le rediff de live, bon bah je vais vous laisser là, donc désolé ça va être divisé en deux parties, mais bon c'est comme ça. Donc voilà.